Là où c'est arrivé, là, je pense que nous devons en parler. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Waouh, c'est extraordinaire. Bonjour, les frères et sœurs. Je suis ici. Vraiment, je suis choqué par cette nouvelle. Cette triste nouvelle. Encore un autre mort. Hein? 2021 n'est même pas encore terminé. Et déjà, voici encore des gens en train de mourir. Mais ils ne sont pas morts parce qu'ils voulaient mourir. Ils sont morts parce qu'on les a poussés à mourir. Que se passe-t-il? Regarde à l'écran. Regarde à l'écran. Vous voyez ça? Jésus. Cette personne que vous voyez à l'écran a un nom. Et c'est un rappeur. Un rappeur qui a 36 ans. Il se faisait appeler du nom de Young Dolph. Young Dolph. Ce rappeur a été carrément abattu dans un magasin à Memphis. Parce que ça, c'est aux États-Unis, n'est-ce pas? Ah! 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 On dit qu'il était juste dans une boutique de cookies où il avait ses habitudes. Là où il avait l'habitude d'aller. Et il arrivait là-bas quand un homme armé lui a tiré là-dessus. C'est-à-dire, il était là-bas tranquillement, comme d'habitude, pour acheter ses trucs, tranquille, comme vous. Vous allez à la boulangerie pour acheter vos pains. Et tout de suite, un gars armé, sorti de nulle part, il arrive et il tire sur lui. On dit que ce rappeur de 36 ans est décédé. On dit qu'il est mort. Vraiment, quand j'ai entendu ça, la première chose que j'ai dit, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez la première chose que j'ai dite? La première chose que j'ai dite, mes frères et sœurs, si vous savez, écrivez en commentaire, je vous donne du coup jusqu'à trois. Une. Deux. Est-ce que c'est fait? Ok, trois, je vais parler. Quand j'ai dit ça, la première chose que j'ai dit, c'est mais, what? Ah! États-Unis. Ah! États-Unis. On tue tous les gens là-bas, ça tue trop d'eux. Et pour l'instant, parler de rappeur, quel chien! Il y a pas longtemps, c'était XXXTentacion. Le gars, il était allé acheter sa nouvelle voiture. Oh, il voulait voler sa nouvelle voiture très chère. Et c'est dans ça là que des gens sont venus tirer sur lui. Papa, papa, oh. Un autre jeune homme, je vous ai montré ici. Il avait juste parlé mal d'un autre rappeur qui est décédé. Lui, il était dans sa voiture. Voici des gens qui faisaient semblant comme s'ils passaient devant la voiture. Au moment où il va s'en rendre compte, ils ont tiré sur sa tête. Pa, 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 pa. Seigneur. Seigneur. Tout ça là, ça ne donne même pas envie d'aller aux États-Unis. Alors que c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment visiter cet endroit-là. J'aimerais vraiment découvrir cet endroit-là. Comment c'est, puisque je vois vos films, puisque je vois vos comportements, puisque je vois vos œuvres, votre technologie, votre armement. Je me dis, waouh, j'aime bien le comportement de ces gens. J'aimerais vraiment y aller. Vu la manière dont ces gens-là se farotent, la manière dont ils parlent. Et souvent,
Certains ne parlent pas beaucoup, parlent avec intelligence. Quand je vois tout ça, hein, je me dis, c'est extraordinaire. J'aimerais y être. Le pays où les Noirs sont riches. Ça, c'est cool. J'aimerais y aller et voir clair d'affaires là. Mais ce qui me retient, c'est ça. Les fusillades par-ci, les fusillades par-là, on ne comprend plus rien. Quel chien! Que se passe-t-il? J'avais entendu il y a quelques mois, hein, un gars était allé faire, un rappeur, encore un autre rappeur, il était allé faire, en fait, il était allé tourner un nouveau clip. Et quand il allait tourner le clip, hein, pendant qu'il était de tourner le clip, il y a ses ennemis qui pensaient qu'il était là-bas. Tout de suite, ils sont descendus là-bas en arbre, ils ont commencé à tirer dans tous les sens. Imaginez la suite. Les balles ont commencé à se disperser partout. Il y a une jeune femme qui passait là. La balle a touché son mollet. Eh Seigneur, la souffrance de ça. La souffrance de ça. Alors qu'elle n'a rien demandé. Alors qu'elle ne sait même pas ce que c'est que le rap. Mais les balles tirées partout l'ont touché. Il dit, mais what? Parfois, tu peux te retrouver à un endroit, à un mauvais moment. Priez chaque jour pour que Dieu ne permette jamais que vous soyez au mauvais endroit, au mauvais moment. Que Dieu vous protège, mes frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens de fusillade, même les gens qui n'ont rien fait, peuvent être tués, peuvent y laisser la vie, peuvent recevoir des balles. Quand on regarde ça, on se dit, mais ah, qu'est-ce que c'est? Et c'est triste. Un rappeur de 36 ans. Ah, Seigneur. 36 ans. Regardez son âge. Ça veut dire qu'il pouvait vivre encore au moins 40 ans de plus. Mais parfois, le choix de vie des gens le pousse souvent dans de telles situations. Quand vous marchez, sachez avec qui vous marchez. Quand vous êtes dans les histoires des gangs, parce qu'aux États-Unis, c'est ça, hein, vous les voyez, les rappeurs, ils sont tout en train de chanter devant vous, ils ont en fait, ils ont du succès, ils sont célèbres. Quand vous les voyez, vous dites, oh, c'est joli, c'est chic, mais souvent, beaucoup d'entre eux sont connectés aux gangs. Certains, mais on va dire même la plupart sont des membres des gangs. Et souvent, quand ça tourne mal, ces gens-là sont pris pour cible par des gangs d'à côté. Vous voyez? C'est-à-dire, les gangs rivaux. Et pour se venger, ce genre de choses peuvent arriver. Maintenant, nous, on sera là, on se dit, hé, vraiment, Yaku, quelqu'un est mort, oh, c'est pas bien, c'est pas si, mais la réalité est là. Parfois, ces jeunes gens, ils empruntent de ce chemin pas possible. Ils rentrent dans des amitiés terribles, des alliances terribles. On dit faire pacte avec le diable, mais il faut faire pacte avec les gangs. Et quand il ne faut pas qu'avec les gangs, ça peut grave mal tourner souvent. Oui, ça peut grave mal tourner et ça peut terminer par ce genre de choses. Là-bas, là, la sorcellerie, là, c'est tout dans les gangs. Pour devenir riche très rapidement, on décide de chercher à se faire un nom. Et pour pouvoir se faire un nom, il faut aller à des gangs. Faire de ces signes bizarres, les signes que vous voyez de la main, toutes ces choses que vous représentez parce que vous êtes femme. Souvent, là, ces choses peuvent vous créer des problèmes, hein, parce qu'il y a des signes qui font comme ça de la main, qui sont des insultes, en fait, d'autres gangs.
Et si vous reprenez ça, ça peut même vous coûter la vie. Comme ça a coûté la vie même à un autre rappeur que je viens de citer ici. Vraiment, aux États-Unis. Waouh. Je pense que ça, c'est notre monde. C'est un autre monde où je ne souhaite même pas aller y vivre. Je pense que je vais juste aller là-bas de passage. Et puis revenir tranquillement à l'Afrique. Et aller faire les affaires là-bas. Prendre toute la thune. Et puis revenir au bas. En tout cas, si vous êtes déjà là-bas et que vous avez déjà construit une entreprise, vraiment, il va falloir s'y faire. Faites sur vos pas et priez avant de sortir. Sachez où vous mettez les pieds. Regardez à gauche et à droite. Soyez visionnaire. Que Dieu vous permette de voir l'avenir. Et s'il y a vraiment une chose qui me pousse même à faire cette vidéo, c'est parce que, avant que je tombe sur cette nouvelle, avant que cela n'arrive, j'avais eu un songe. Dans le songe que j'ai eu, il y a un homme qui est allé voler des œufs. Et il était abattu. Pa, 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 pa. Waouh. Maintenant, nous, on s'approchait pour voir qui c'était, quoi. Parce que pour nous, c'était un voleur. On va voir où. C'est une personne que nous, on connaît très bien. C'est-à-dire une personne qu'on connaît vraiment bien, qui était une connaissance, en fait, c'est une connaissance qu'on connaît très bien, bien. J'ai dit, mais qui? La personne est morte, la personne est venue voler les yeux ici, et la personne a regardé. Oh. J'étais choqué parce que c'était quand même une personne que je connaissais. Ouais, non. Et toute la journée, je marchais avec. Et je me posais des questions sans mais qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, je sais que quand les ennemis viennent voler les choses de quelqu'un en songe, c'est dangereux. Même très. Mais si cet ennemi a été abattu, ça veut dire que nous avons la victoire. Voilà. Ouais, nous avons la victoire. Et je disais, bon, ok, c'est bien. Et je faisais mes courses hier quand je suis tombé sur cette information. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en parler parce que j'étais très très chargé, très très occupé. Même alors, je suis en train de vous parler. Je suis très très occupé, mais je fais une fois de vous parler, vous donner des nouvelles sur le monde, sur tout ça, tout ça. Ce sont les news et autres. Afin que rien de mauvais ne vous arrive. Vous êtes mes frères et sœurs, je vous aime. Que Dieu veille sur vous. Mais vous aussi, écoutez bien ce qu'on vous dit. Pour que vous sachiez où vous mettez les pieds. Quand je vous parle en songe, quand vous voyez un truc en songe, vous ne voyez pas en songe, ce truc en songe parce que vous avez envie de le voir. Surtout quand vous ne désirez pas voir ça, méfiez-vous de cela. Faites attention à un tel songe. Une telle chose que vous voyez en rêve. Vraiment, faites très très attention. Je suis vraiment terriblement attristé par cette nouvelle. Parce que je venais de voir un truc pareil dans mon sommeil. Et regardez ça. Je me suis dit, même si je ne connais pas le gars, je me dois de faire cette vidéo parce que Dieu m'avait quand même montré un truc assez similaire. Voilà. Voilà. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, veillez sur vos pas, mes frères et sœurs. Vraiment, la vie aujourd'hui, même un enfant de 10 ans peut mourir. Comme ce qui s'est passé dans l'affaire de Travis Scott, la vidéo que je vous ai montrée. Allez regarder la vidéo précédente, vous allez voir. Si vous n'avez pas regardé, allez voir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'âge pour mourir. Il n'y a plus d'âge pour mourir. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur nous tous.